C'est moi ou lui? Écoutez-moi, les enfants. Nous allons constituer des équipes de deux. Oh, maîtresse, non, je vais mettre avec Martine. C'est moi qui forme les équipes. Oh là là, j'espère que je vais pas être avec Rico. Sinon, c'est moi qui vais devoir tout faire. Julie et Claire, vous nous parlerez des champignons. Je compte sur vous pour nous cueillir de beaux spécimens, mesdemoiselles. Oui! Hé, Julie, je serai toi, je laisserai pas la binocle ramasser les champignons. Oh, les jolis champignons. Pas bon le champignon. C'est Rico, il peut pas me lâcher un peu? Chut. Martine et Eric, vous vous pencherez sur les... Les amphis quoi? Oh là là, mon pauvre. Oui, c'est pas gagné. Rico, prêt pour l'exposé? Ça t'inspire, les amphibiens? C'est trop nul de nous donner autre chose. Bah, les grenouilles, les crapauds, c'est intéressant, non? Ben ouais, c'est vachement mieux, les amphibiens. Ça, c'est cool. Et Rico, les grenouilles et les crapauds sont des amphibiens. Gna 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 gna, des amphibiens. Je t'ai pas sonné la binocle. À plus, Martine. 17 h chez toi? Ma pauvre, un exposé avec lui, franchement, je te plains. C'est vrai qu'il a un caractère difficile. C'est moi. Entre. Fais comme chez toi, toi. Alors, il est où cet exposé? Me dis pas que t'as pas fini. J'ai des trucs à faire, moi. Comment ça? Ah, très drôle. Tiens, regarde, j'ai trouvé des photos. C'est incroyable, la métamorphose du tétard en crapaud. Waouh! Quand même, c'est dingue d'être mignon à ce point et de finir plein de pustules et de verrues. Ça me rappelle mon cousin, qui est devenu super moche à l'adolescence. Oui, mais les femelles, c'est pas pareil. Regarde, la grenouille, elle est plutôt mignonne. Je suis sûre que tu crois que le crapaud est le mâle de la grenouille. Eh ben, c'est faux. J'ai vu ça à la télé, dans un documentaire. Ah bon? Ah bah tiens, ça, c'est un truc intéressant à dire dans l'exposé. On pourrait aussi parler du mythe du crapaud qui se transforme en prince charmant si on l'embrasse. T'es sûre? Je sais pas, c'est un peu n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Ce mythe sert à comprendre qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Qu'on n'est pas toujours ce que les autres croient. C'est vrai, ça. T'as raison, la tartine. On devrait... On pourrait... aller prendre des photos de grenouilles. Ça nous changera les idées. On va faire une photo de nous deux en plein travail. Très drôle. Bon, on en fait une autre. Salut, Martine. Oh, tiens, la binocle. Tu vas aussi à la rivière? Oui, Claire, on va faire des photos pour notre exposé. Moi, je vais cueillir des champignons. Et dis donc, t'as vu que Frankie G sort un nouvel album? Ouais, j'ai entendu dire qu'il était super naze. Tu permets? Je parle à ma copine, là, tu vois pas? Sympa. Tu viendras acheter l'album avec moi? Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Et la binocle, tu vois ce crapaud là? Tu sais qu'il a une baffe très collante, un peu comme toi en fait. Quoi? Non mais ça va pas. Oh, tu m'énerves. Allez, c'est ça. Va cueillir tes champignons, ça nous fera des vacances. Hé, Rico, ça va pas, non? Pourquoi tu lui parles comme ça? Ben quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Hein? Collante comme de la baffe de crapaud. Tu vois le genre? Oh, allez, la baffe du crapaud n'attend pas la blanche colombe. Tu parles. Moi, c'est pas compliqué. Rico, je veux plus en entendre parler. Oui, c'est sûr qu'il n'a pas été sympa, mais je t'assure qu'il peut l'être. Ah bah, j'ai pas remarqué. Ça lui a échappé. Au fond, il est gentil. Tu prends sa défense? Après ce qu'il m'a dit, il ne recommencera pas. Je lui ai dit ce que j'en pensais d'ailleurs. Je vais te dire, Martine, si tu le vois encore, je te parle plus. C'est moi ou lui? Tu choisis. Je te rappelle quand même que Martine a un exposé avec lui. Elle peut très bien le finir toute seule. D'ailleurs, elle fait tout le travail, alors ça changera rien. Mais c'est pas vrai, Claire. Il apporte plein d'idées. C'est moi ou lui? Bah, c'est toi. Forcément. Comment je vais faire pour finir l'exposé? Si tu veux, je m'occupe de Claire. Et toi, pendant ce temps-là, tu vas voir Rico, d'accord? Mais j'ai dit à Claire que je le verrai plus. Je peux pas lui faire ça. Ça sera notre petit secret à nous. T'as pas vu, Martine? Dis, c'est possible un champignon gros comme ça? Ça serait super qu'on en trouve un pour notre exposé, hein? Quoi? Et t'es sûr que les trompettes de la mort ne tuent pas? Et bah pourquoi on les appelle les trompettes de la mort alors? Rico! Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu te caches? T'es sûr que ça va? Oui. Alors t'as avancé sur l'exposé? Hé, Claire, et la manie que tu mouches, ça tue vraiment les mouches? Quoi? Oui, bien sûr. Et puis je me disais... Ah oui, super, mais... merci, salut. Attends. T'étais où? Par-ci, par-là. Tu m'invites à goûter chez toi, Martine? Ouais, super. Bah... On n'a qu'à y aller en courant, non? Et t'es sûre que ça va? Martine, et... Oui, c'est vrai, il aime bien se moquer de temps en temps, mais il n'est pas méchant. Bon, on peut parler d'autre chose que de Rico? T'as fini ton exposé? Hé, c'est super bien dessiné. C'est toi qui les as faits? Eh ben non, justement, c'est Rico. Hein? Ouais, je me disais aussi, quand on regarde de près, ils sont pas terribles. Je reviens. Je vais sortir Patapouf. Attends-moi. Quoi? Patapouf. Salut, Martine. T'es partie super vite. Je me disais que ce serait sympa d'aller chercher un vrai crapaud à la rivière pour notre exposé. Je peux pas te parler, là. Je dois m'occuper de ma vieille tante malade qui est à la maison. On se retrouve demain matin, hein? À la rivière. Salut. Si tu veux sortir Patapouf, c'est mieux que tu le prennes avec toi. Mais où avais-je la tête? Ah là là. Je sais plus quoi faire, mon Patapouf. Si Claire avait l'occasion d'être seule avec Rico comme moi, elle comprendrait qu'au fond, il est gentil. Je crois que j'ai une idée. Allô, Julie? Tu veux pas aller plus loin? Moi, j'ai rendez-vous ici avec Julie. Ah ouais? Parce que la cabane, elle est à toi, peut-être? Hein? Ben, réponds, la binocle. Ne m'appelle pas comme ça. J'en ai assez. Tu comprends? Plus qu'assez. Ouh, du calme. C'est pour rire, ne prends pas comme ça. Et puis, je m'en fiche après tout. De toute façon, je te verrai plus. Ça m'étonnerait vu que je fais l'exposé avec ta copine Martine. Ben justement, je lui ai demandé de choisir entre toi et moi. Quoi? Ouais, ils se parlent. Oui, mais j'entends pas ce qu'ils disent. Tu crois que ça se passe bien? Toi alors? T'es vraiment gonflée. Tu fais du chantage à ta meilleure copine. N'empêche, c'est moi qu'elle a choisi. Bah non, puisque j'ai rendez-vous avec elle. Ça m'étonnerait. Elle m'a dit qu'elle te verra plus. Ah bon? Elle t'a dit ça? Oh non! Rico? Rico? Bon ben, c'est pas vraiment une réussite ton plan, Martine. Un plan? Quel plan? Je pensais que si tu passais un moment toute seule avec lui, tu aurais vu comme il pouvait être sympa. Sympa? Franchement, il est tout sauf sympa. Il se moque tout le temps de moi. Il arrête pas de me traiter de binocle. Claire, je suis désolée. T'es ma meilleure amie avec Julie. Et je ne veux pas que tu sois triste. Mais je suis obligée de finir l'exposé avec lui. D'accord? Après, je ne le verrai plus. C'est promis. D'accord. T'exagères, Claire. Tu vois pas ce que tu lui demandes? Tu veux que je te dise? Au fond, t'es jalouse. Jalouse? Mais pas du tout. Hé, Julie! Où tu vas? Julie! Rico! 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 Rico? Rico, je voulais te dire que... Enfin, tu sais, Claire est ma meilleure amie et... Oh, comment dire? Ça va, j'ai compris. Te fatigue pas. Martine! Rico! Regardez ce que je vous ai trouvé pour votre exposé. Un beau crapaud. Tu vois, c'est ce que je te disais. Claire est vraiment ma meilleure amie. Oui, j'ai réfléchi et je me suis dit que c'était pas gentil de te demander quelque chose qui t'enlevait ton sourire. Ah bah mieux vaut tard que jamais, la binoc. Je veux dire Claire. Allez, au fond, je t'aime bien, la binoc. Ah, je vais y arriver, hein, promis. Je vous félicite. Vraiment, c'était un exposé très complet et très vivant. Oui, c'est Claire qui nous a donné le crapaud. En tout cas, je suis sûre que lui, c'est pas un prince charmant. Qu'est-ce que t'en sais d'abord? Tu dis ça parce que tu le connais pas bien?